un soir de pleine lune, dans les forêts profondes de l'Ardenne, les sources, les arbres, les rochers et les animaux savent qu'il s'y déroule des événements étranges et mystérieux. Des histoires, des secrets, enfouis dans les eaux de la Semois, cachés derrière le voile du réel, ressurgissent du passé. Ces souvenirs que l'on croyait à jamais endormis remontent des profondeurs. Les fées de la Semois se rappellent des temps anciens et nous font leur confidence. Elles virevoltent au-dessus des berges, dansent langoureusement dans les méandres, traversent les feuillages des bois dressés à perte de vue. Elles s'engouffrent au cœur des vallées et des plaines pour révéler à qui sait l'entendre la mémoire d'un passé millénaire. Commençons notre plongée dans le temps en 1096. Messieurs Godefroy, tout est prêt, nous pouvons partir. Alors partons pour Jérusalem, délivrer le tombeau du Christ des Sarrasins infidèles. Le cœur d'avoir vendu mon château de Bouillon pour financer la croisade. Je le rachèterai dès mon retour, comme le contrat le permet. Cette forteresse est imprenable. Qu'est-ce que j'y ai été heureux! J'ai tous mes souvenirs là-bas. En ce moment, ma mère doit être en train de prier dans la chapelle. Je courais dans les escaliers, traversais la salle d'armes jusqu'aux cuisines. J'aimais voir le forgeron dans la cour. C'était plein de vie. C'est là que j'ai reçu mon éducation de chevalier. Au revoir, Bouillon. Au revoir, mon château. L'évêché de Liège deviendra possesseur de la forteresse que les princes évêques ne cesseront de fortifier.
Bouillon, endroit stratégique entre Liège et Verdun, et entre la Meuse et le Rhin, sera souvent convoité et attaqué. Eccellenza Principe, moi Alessandro Pasqualini, io devo fare una bella forteresse del vostro castello de Bouillon. Vous pourrez enfin y mettre des canons. Merci, maître architecte Alexandre. La tour d'Autriche sera donc ici pour y placer les canons, c'est bien cela? Si, Eccellenza Principe. Et à l'intérieur, on y trouvera un petit magasin à poudre, un asilo à vivre dans le sol, un petit armurerie, des postes de guet et des salles. Et en cas d'attaque sur la boucle de la Semois? C'est pour vous, tout à côté, des galeries souterraines creusées dans le rocher mèneront à une grande salle à canon pour prendre en enfilade ou tirer tout le long du rocher. Et aussi un petit magasin pour les réserves de poudre. Ah, parfait! Et j'ai aussi dessiné, comme promis, une belle porte dans l'esprit de celle de votre villa de Liège. Vous y ferez graver mes armoiries avec la date de 1551. Ainsi, après Liège, moi, Georges d'Autriche, oncle de l'empereur Charles Quint, prince évêque de Liège, je ferai arriver la Renaissance italienne au château. Thank you.
décennies, la guerre, entrecoupée de périodes de paix, rythme la vie de toute la région de Bouillon, située aux frontières des deux adversaires, la France et l'Empire de Charles Quint. Bouillon passe aux mains des Français en 1676. L'endroit est stratégique. Louis XIV missionne Vauban, un des plus grands ingénieurs militaires, pour fortifier le site. Voyons ce qu'on peut faire de ce vieux château. Notre objectif est de ralentir l'ennemi. Nous allons renforcer les murs, percer des créneaux et des meurtrières pour les armes à feu. On va creuser la roche. Les ponts surplomberont des entailles infranchissables. Les herses et les terrasses à canon seront entièrement refaites. Il faudra un mur épais contre la tour d'Autriche. Et nous mettrons à l'épreuve de la bombe les citernes, les poudrières et la grande salle de l'arsenal. Nous compléterons par des casernes et des maisons d'officiers. Deux murs relieront les deux côtés du château à l'enceinte de la ville, qui deviendra une ville fortifiée avec 2 kilomètres de remparts et un bastion tous les 180 mètres. Et les nombreux souterrains seront élargis, leurs escaliers améliorés avec des caches pour pouvoir recharger les armes en toute sécurité. Suite à la défaite de Waterloo et au traité de Vienne, la cité de Bouillon devient hollandaise. Le roi des Pays-Bas décide de démanteler le château de Bouillon, mais grâce à un soulèvement de la population, seule la chapelle Saint-Jean et le donjon sont détruits et seront remplacés par des casernes, elles aussi détruites en 1905. Avec l'indépendance de la Belgique, Bouillon deviendra belge en 1830. Fin 19e, avec le développement des transports, l'époque est au voyage et à la découverte du patrimoine. Victor Hugo, de passage à Bouillon, écrira « J'aime les châteaux médiévaux, ils me font rêver ». Bouillon n'a rien à envier aux châteaux luxembourgeois, pas plus qu'aux bourgs qui bordent le Rhin, fièrement plantés sur des pics rocheux.
Ce Moyen-Âge est fantastique. Comme Victor Hugo, vous avez franchi les portes du temps. Promenez-vous encore dans les pas de Godefroy de Bouillon. Suivez Pasqualini élaborer la tour d'Autriche. Accompagnez Vauban qui protège les soldats derrière de solides murs. Revivez 10 siècles d'histoire. Profitez, rêvez, respirez et